كيف كان السلف مع القرآن؟ Comment étaient les vieux prédécesseurs avec le Coran؟ هل السلف الصالح تركوا حفظ القرآن؟ Est-ce que les vieux prédécesseurs ont délaissé la mémorisation du Coran؟ هل حفظوا القرآن دون تدبر وعلى العمل؟ Est-ce qu'ils ont mémorisé le Coran sans méditation؟ لا. Et sans mettre en pratique, non. حفظ يومي للقرآن. Donc il mémorisait chaque jour, d'une manière journalière, le Coran. Et ensuite, il apprenait le sens des versets qu'ils avaient appris. Et ensuite, ils mettaient en pratique les versets qu'ils avaient appris. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on doit corriger la lecture. On mémorise. ننظر في تفسير مختصر لا تبحث عن المطولات في التفسير. On doit regarder dans un exégèse concis le sens des versets. تستعين بالله على العلامة. Et tu demandes l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala dans ta mise en pratique. أهم سورة هي سورة الفاتحة. La sourate la plus importante c'est sourate al-Fatiha. قد تكون الصلاة باطلة وأنت لا تدري. Il se peut que ta prière ne soit pas acceptée, ne soit pas valide et toi tu n'es pas au courant. لا يمكن لأحد أن يتبرأ من طريقة السلف الصالح لأن السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. Personne ne peut se désavouer du chemin entrepris par les pieux prédécesseurs. أنت على طريقة السلف إذا لابد أن تحفظ حفظ يومي. Si tu es sur le chemin des pieux prédécesseurs, eh bien, il faut mémoriser du Coran d'une manière journalière. نعم خاصة قلنا الفاتحة. وقصار السور من الزلزال للناس والله أعلم. Et en particulier, sourate al-Fatiha et les petites sourates qui vont de sourate al-Zalzala jusqu'à l'Nas.